Salut à tous, c'est Chirika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Spyro. Alors on est dans le monde 3, oui c'est le monde 3, le premier niveau. Donc si ça va vite, là il est 3h25 du matin, donc si ça va assez vite j'essaie de te faire deux mondes d'un coup, parce que la dernière fois j'ai un petit peu traîné pour avoir ce fameux œuf. Donc la vidéo risque de durer un petit peu trop longtemps, c'est pour ça que j'ai pas fait un monde comme j'ai fait pour le monde 1 et pour le monde 2. Donc là il faut 500 diamants. Oh là là! T'as y est gros! Vas-y, vas-y. Hop. Oh, ça c'est fait. Mais je t'avais pas vu toi. Tu te cachais. J'ai du mal à viser. J'ai du mal à viser. C'est un truc de dingue. Donc ouais, pour Spyro, je pense que faire des épisodes d'une dizaine, entre 10 et 15 minutes, c'est bien. Après, c'est trop long vu que le jeu est pas très très récent. Oh, Spyro! Tu n'as pas peur de ces gigantesques animaux affreux, hein? Bien sûr que non! Oh, parfait. J'en étais sûr. Allez, laisse-moi faire ta bête. Et de l'autre côté, c'est pas la peine. Je crois que c'est trop. Ouais, c'est trop. Ah ouais, en fait il te saute carrément dessus pour t'aplatir, bah ça fait un petit peu comme les chiens dans le premier niveau. Alors là il se relève, ok. Ah, c'est maintenant. Alors là, c'est le niveau pour Harry Potter. Voilà, ça c'est fait. Bon, niveau de diamant, ça va vite. On est déjà à 200, il en faut 500. On est qu'au début. De m'avoir libéré. Putain, mais c'est quoi ces cornes dans lui? Ah bah c'est pour ça qu'il y avait un jardin tout à l'heure. Alors là c'est déjà pour rentrer. C'est déjà pour rentrer. En fait tu vois déjà le truc pour rentrer. Que t'es qu'au début. Là c'est le début. Ouais, ça c'est le début. Et on a encore tout le côté à faire. Excellent travail, Spyro. Continue comme ça, et tu sauras tout ce qu'il y a à savoir du monde des ouvriers magiques. Ah, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin d'en savoir plus en fait, ça m'intéresse pas. Donc
là on l'a déjà fait. Donc on va aller voir en bas et après on viendra là. Bon, on va là tout de suite. On va là tout de suite. Et on est déjà à 21 vies. Ça va vraiment très très vite. Ah, puis je pense que je vais arrêter de perdre du temps avec tous les diamants. Je vais vraiment avancer parce que bah voilà, pour toi c'est pas intéressant. Comme là il me manque un diamant, un dragon pardon. Alors là ça commence à devenir un petit peu plus corsé. Alors il me manque un dragon. On va aller le chercher. Ouais, c'est là-bas. Ok. Se trouve là. Donc comment on fait pour aller là? Il n'y a pas de porte là? Ouais, il n'y a pas de porte. Comment c'est possible? Je suis bien venu quelque part là. Je le tente direct. Putain, je suis bon. Il va vite quand même lui hein. Et prochain tour normalement je l'ai. Prochain tour j'étais espèce d'enfoiré. Voilà, je t'avais dit que je t'avais espèce d'enculé, moi. Pardon. Ici, t'es vraiment vulgaire, hein, quand tu t'y mets. Voilà, ça c'est fait. On ramasse la petite biloute. Voilà. Bon, normalement, il devrait manquer moins de 50 diamants. À la fin, il devrait m'en manquer moins de 50 quand même. N'oublie pas que ces voleurs bleus ont aussi pris des œufs ailleurs que chez les ouvriers magiques. Pas de problème, je m'occupe d'eux. Ah ouais, t'inquiète ça. Quoi? Non. Alors c'est la première fois que ça m'arrive. Est-ce que je récupère et je reviens là? Ah putain, j'ai perdu une vie con là. Ah, je pensais pas que ça aurait pu faire ça. Ouais, tu reviens là. Eh merde. Et il voit pas des ailes lui.
Bah voilà, t'auras que un monde parce que je galère. Putain, chichi, ta puce. Puis y en a trois en fait. T'as plus rien là. Non. Quoi, juste pour un? Ah, moi je dis, y en a, ils doivent tomber. C'est pas possible. Ça mène où là-bas? On va aller voir. Bon, je te ferai une petite ellipse comme d'habitude. Je perds toute ma vie inutilement. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. Je te dis à bientôt pour la suite de notre aventure. On a fait le premier monde en une dizaine de minutes. C'est déjà très très bien je pense. Voilà, en fait chaque monde en fait tu mets une dizaine de minutes. Il n'y a que le vol que tu mets un petit peu plus. Et là c'est parce que je cherche, voilà, j'essaie d'explorer un petit peu tous les passages. Bah, je suis pas encore un pro mais voilà. La chaîne alpine, elle a été faite. Donc là, nous on vient de la droite. Alors ces mâches sont vraiment casse-couilles. Donc on a été faire là-bas la chaîne alpine. Donc maintenant il nous en reste un à faire. Là c'est quel niveau? Là c'est la grotte élevée. Là-bas c'est fait. Et après ça se passe à l'intérieur. Bon, on va aller vers le prochain niveau, ça sera la grotte élevée. C'est la fin de cette vidéo, je te remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un petit like si t'as kiffé la vidéo. Puis je te dis à bientôt, c'était Chérika.